Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Korg. Je vais aujourd'hui, et j'ai la grande chance de vous présenter le PA5X. Alors bien sûr, c'est toujours un arrangeur, mais c'est un synthé arrangeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été cherchés chez Korg beaucoup de sonorités qui viennent du Kronos, du Nautilus et pourquoi pas aussi du SV2 pour avoir des meilleurs sons de piano et de piano électrique. Alors déjà, j'ai réuni ces deux mondes, le monde arrangeur et le monde synthé, dans un seul clavier. Ça, c'est la grande force de Korg. Et de pouvoir bien sûr avoir quelque chose de beaucoup plus facile d'accès sur mon clavier. Je retrouve bien sûr mes faders, j'ai bien sûr toujours mes variations, mes breaks, mes fins, je vais avoir un écran beaucoup plus large, je vais avoir mes 16 pads, ce que je retrouve sur un synthé, qui va me permettre d'aller chercher des échantillons. Je vais retrouver aussi sur ma droite tout ce qui est mémoire rapide, c'est-à-dire que ça me permet en fin de compte, au lieu de rentrer tout de suite dans les pages, je vais pouvoir tout de suite avoir des correspondances sur mes familles. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, bon, il sonne comment? Eh ben écoutez, allez, restez assis dans votre fauteuil, on va l'écouter. Prenons l'exemple d'un son de piano classique. Un son un petit peu plus italien, qui me donne un son un peu plus variété. Prenons notre famille, c'est la famille des violons. Là, encore une fois, Korg a voulu aller chercher des sons qui viennent des gros synthés de chez eux, entre autres du Kronos ou du Nautilus. Et là, encore une fois, on a été chercher ces sons où je vais avoir plusieurs mondes sous mes doigts, qui me permet d'avoir plus de possibilités de sensibilité. Là, je joue légèrement, mais si j'appuie, je vais avoir plusieurs niveaux et ce qui me donne un peu plus de vie sur mes sons. Maintenant, je me dis, tiens, ça serait intéressant de mixer, pourquoi pas, un piano et un violon. Alors souvent, on fait ça sur un synthé. Un arrangeur, bon, on a déjà les rythmes d'un côté. Là, je me dis, tiens, ben, on va essayer de mélanger les deux. Mon piano et ici, un violoncelle. Je vous ai parlé de synthé. Alors le synthé, souvent, on a tendance à vouloir des gros sons, des gros snaps. Ben écoutez, sur le PA5X, on les a aussi. Prenons l'exemple. Qu'une seule sonorité qui va me permettre de, pourquoi pas, c'est un exemple, d'aller rajouter, tenez, mon piano. Par en dessous. Pourquoi pas rajouter, allez, des chœurs. Ça serait bien d'aller encore plus loin. Plus loin, mais pourquoi plus loin? J'ai là trois sons, je suis content, je vais pouvoir rajouter une rythmique derrière. Non, non, j'ai enregistré sur mes pads des sons, des ambiances qui n'ont rien à voir avec les sons que j'ai sur mon clavier, qui me permettent d'avoir ça. En plus de mes sons. Mais je pourrais rajouter encore autre chose, ben pourquoi pas une vieille basse un peu synthé qui est là, qui vont se rajouter à mes sons.
qui veut dire que là, j'ai cumulé plusieurs instruments, des effets, encore d'autres sonorités. Mais est-ce que je peux me servir de mon arrangeur? Bien sûr, mes accompagnements, c'est là. On va le synchroniser. Ma basse qu'on entendait là va se synchroniser à la rythmique. C'est le mariage aujourd'hui du synthé et de l'arrangeur. Korg s'est amusé à aller chercher un son de trompette assez sympathique. C'est le wah-wah trompette. On me dit ouais, mais on s'en sert pas tout le temps. Quoique, mon premier son est ici. Si je l'ouvre, il va s'ouvrir comme si j'avais mon wah-wah. Sauf que j'ai ici tout ce qui est articulation qui va me permettre d'avoir tous ces effets sur le même son. On peut jongler sur des sons de saxophone. Avec le souffle, mais si je vais dans la famille saxophone, je vais avoir... Puis là... Prenons l'exemple avec un jazz. Il y a les sons de guitare. C'est sur un style où j'ai mis une introduction et on va écouter l'arrangement guitare. Prenons un exemple. Quatre variations. Première, deuxième, troisième, quatrième. Allons chercher une guitare un petit peu plus rock'n'roll, allez, avec l'effet, vous savez, des guitaristes qui se branchent dans son ampli et souvent ça marche pas très bien au départ. Ils l'ont mis dedans. Je vais maintenant prendre un exemple avec le son du piano électrique. Alors le piano électrique, c'est des choses que moi j'aime bien, parce que c'est un son très particulier, avec une attaque un peu particulière, comme si j'avais une mécanique qui tape un petit peu sur ses lames. Korg a voulu refaire cette attaque. Alors bien sûr, on va me dire, c'est pas le son terrible d'un piano électrique. Non, non, là c'est que l'attaque. Je vais pouvoir rajouter un piano par-dessus, qui me donne vraiment... Alors si je veux un peu plus d'attaque, ben je mets un peu moins de piano. Nous allons maintenant parler des sons d'orgue. Les sons d'orgue, c'est toujours un petit peu délicat. On cherche soit des préceptes qui sont déjà donnés, il y en a des dizaines et des dizaines à l'intérieur, soit je vais travailler mes propres sons. Bien sûr, je peux, grâce à un petit bouton direct, de pouvoir avoir tout de suite mes tirettes que je vais pouvoir retravailler en direct.
Mon Leslie. Prenons l'exemple avec le medium organ swing, c'est un style d'origine. Un mode donc très 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 sympathique. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les sons, moi, c'est pas du jazz que je veux faire, c'est soit de la variété, soit du classique. D'accord, maintenant vous allez avoir un autre mode qui va me permettre, regardez bien ce que je fais, de pouvoir passer d'un rythme à un autre, sans avoir de coupure, et je vais pouvoir mixer les deux en même temps si je veux. On va prendre un exemple avec sur un rythme de dance. Allez, soyons fous. Dance d'un côté, on va l'écouter, il est là. C'est très bien, mais j'aimerais bien, allez, mixer ce dance avec une bossa. Alors, je vais aller dans ce style, je vais aller chercher le latin, je vais prendre Bossa Nova, on va l'écouter. C'est très bien. Sauf que si vous regardez à l'écran, j'ai ma dance qui est à 104 et j'ai ma bossa qui est à 108. Je vais pouvoir synchroniser les deux. J'ai le bouton lock qui va me permettre automatiquement de charger les deux. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir appuyer sur les deux en même temps. Rythmique d'un côté. Et bossa nova de l'autre, mais je peux aussi mélanger les deux. Ça, c'est intéressant quand je veux, à un moment, aller plus loin sur mes rythmiques. On va prendre maintenant quelques exemples de styles. Vous avez, sur les styles, énormément de familles. J'ai la pop, le style les plus souvent les plus joués, où je vais retrouver classique pop, ballade, dance, ballroom, rock, country, latin, etc. Prenons maintenant quelques exemples sur les styles. Passo, il y en a plusieurs, j'ai le passo dance qui est un petit peu différent, avec l'introduction.
Prenons maintenant un exemple sur les deux players où là j'ai choisi un rythme d'un côté et de l'autre côté un MP3. Donc ce mode de pouvoir mixer un style et de l'audio, donc du MP3, est vraiment nouveau et magique parce que si j'ai un MP3 de 3, 4, 5, 10 minutes, eh ben, il va me le lancer et moi je vais pouvoir jouer par-dessus. Vous pouvez retrouver ce que j'avais sur le PA4X, un harmonizer. Donc je peux brancher un micro qui me permet de gérer 4 voix plus ma voix libre. Voilà, ici j'ai pour mes chœurs, donc j'ai énormément d'exemples, vous pouvez le voir directement ici, je peux gérer mes 4 chœurs plus ma voix libre, mais j'ai la possibilité de brancher aussi une guitare où je vais pouvoir avoir mes amplis de guitare, entre autres je peux avoir mes effets de guitare, je peux avoir une compression, un délai, rien à voir avec les effets que j'ai dans le clavier, c'est vraiment des effets qui sont dédiés pour la guitare, donc je pourrais brancher une guitare, un micro à part avec ses effets, et je peux aussi encore une fois rebrancher un synthé. Parlons MIDI-FILE, tenez, MIDI-FILE, lecture 16 pistes que je vais pouvoir avoir sur mes 16 pads et je vais pouvoir muter les pistes qui ne m'intéressent pas sur mon MIDI-FILE. Voici un exemple de sample lancé avec un pad. Parlons maintenant du clavier oriental. Vous trouverez sur le PA5X la possibilité d'avoir des cartes optionnelles qui vous permettront d'avoir des rythmes orientaux et bien sûr des échantillons orientaux. Il n'y aura pas le PA5X oriental comme sur le 4X, mais le même clavier avec la possibilité de rajouter des cartes. Dans la famille PA5X, vous allez trouver trois modèles. Le premier modèle 61 notes semi-lesté, le deuxième modèle 76 notes semi-lesté et le 88 notes clavier lourd. Vous allez trouver en option sur le PA5X l'amplification qui s'appelle le PAS que vous pouvez retrouver aussi sur un 76 comme sur un 88 notes. Et vous avez aussi des pieds qui peuvent aussi se rajouter sur ces trois modèles. Bien sûr, on pourrait rester des heures et des heures sur ce fabuleux clavier qui est un synthé arrangeur aujourd'hui. Bien sûr, ils ont simplifié les fonctionnalités et ça veut dire que je peux rapidement gérer maintenant mes volumes de chaque instrument. Je peux même avoir ce bouton qui s'appelle Record Edition qui me permet d'éditer tout ce que j'ai à éditer sur mon PA5X. Avant, j'étais obligé d'éditer sur plusieurs formules. Là, tout se passe sur le même écran. Je peux éditer mes sons, mes styles, mes éditions de samples, mon record MP3, parce que je peux aussi m'enregistrer en MP3, et bien sûr aussi tout ce qui est pad. L'écran beaucoup plus large, les 16 pads qui me permettent vraiment de m'ouvrir les rythmes, bien sûr, qui ont été retravaillés pour donner plus de feeling. Encore une fois, une simplicité sur mes sonorités que j'ai à droite, ce sont des familles qui sont toutes faites. Le mode, bien sûr, où je peux cumuler deux styles, ou sans ça, deux MP3, ou pourquoi pas deux MIDI files. Je peux muter telle ou telle piste, vous le voyez à l'écran, qui me permet un petit peu de couper, en fin de compte, si je ne veux pas d'accompagnement automatique ou de basse, ben, rapidement et simplement, je peux flasher directement sur mes pads. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'essayer et on se revoit dans une prochaine vidéo avec le PA5X.